Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, ça va? Ouais, ça va, c'est encore nous, et pour parler de Conor encore. On parle de Conor McGregor, mais sauf que là, cette fois, il y a un petit peu de concret, ça fait plaisir. Donc c'est Dana White qui a dit que l'UFC, Dana White, président de l'UFC, ciblait Michael Chandler comme adversaire de retour pour Conor McGregor. Ça fait un moment qu'on en parle, nous, de notre côté, Michael Chandler voulait ce combat. Conor McGregor avait dit que ça l'intéressait, mais là, comme on se rapproche d'un retour concret de Conor McGregor à l'UFC, ça a du sens. Moi, je dis oui. Big Rusty? Oui. Générique? Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Conor McGregor, vous le savez, depuis le mois de juillet 2021 et sa terrible blessure contre Dustin Poirier, il est absent de l'octogone. Là, ça y est, il va entrer à nouveau dans le pool de l'USADA parce qu'il avait été... l'heureux bénéficiaire d'une petite exception qui pouvait lui permettre de sortir et donc de ne pas avoir les contrôles antidopage USADA pour justement soigner sa blessure traumatisante. Donc là, ça y est, il va pouvoir revenir. Je sais pas en tout cas s'il aura besoin des 6 mois avant d'à nouveau être en compétition à l'UFC. Apparemment, c'est mandataire. Enfin, c'est mandatoire. C'est obligatoire apparemment de toute façon. Donc on sera pas à la première exception près pour Conor si jamais, étrangement, il revenait plus tôt, mais normalement... Surtout que l'UFC l'avait fait, en fait, c'était pour Brock Lesnar, qui lui n'avait pas eu voilà, le test. Ah c'est ça. C'était ça, en fait, le avec gros Mark exemple. Hunt, là, ouais. Le bif. En gros, ouais. Brock Lesnar, qui était à la WWE, donc en catch, quand il était revenu à l'UFC, il avait bénéficié, en fait, en gros, de l'absence de contrôle antidopage, et il avait été uniquement contrôlé, je crois, c'était le soir de l'événement ou la veille. Où il avait popé, d'ailleurs. Évidemment. Ouais, donc effectivement, donc ce serait possible que Conor revienne plus vite, mais en tout cas, on se dirigerait peut-être vers dans 6 mois, enfin peut-être genre vers juillet, la fameuse, c'est la UFC Fight Week ou je sais plus trop quoi, enfin tu sais International Fight Week, donc peut-être à ce moment-là. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et puis pour Michael Chandler, en fait, ce qui est bien, c'est que ça récompense toute sa stratégie de pur divertissement, victoire ou défaite depuis qu'il est arrivé à l'UFC. C'est qu'en fait, tout culminerait vers ça qui est grosso modo, et c'est terrible, hein, ou c'est la vie, c'est comme ça, mais. Pour lui, la ceinture, ça aurait été génial, mais c'est encore mieux de devenir millionnaire en un soir grâce à Conor, et probablement, que c'est pour ça qu'on voit même des mecs comme Rafael dos Anjos lors du dernier combat qui sont encore sur les talons de Conor en mode « Ouais, mais moi je veux Conor, on a encore des comptes à régler !» C'est vous dire à quel point c'est puissant, enfin vous le savez, parce que là on milk, parce que c'est un podcast sur Conor, et parce que voilà, mais... Non, mais après, non, même au-delà de ça, en vrai, tu dis souvent on milk, pour moi on milk pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent Le MMA ou les podcasts ou avec Conor. Et c'est vrai que les gens vont peut-être pas comprendre parce que souvent on reçoit des messages de mais je comprends pas les gars. Par exemple, ouais. La question qui arrive souvent c'est qu'est-ce que la catégorie catchweight? En gros, pour nous, ça peut être quelque chose de normal, mais catchweight c'est entre deux catégories de poids, ça s'appelle catchweight. Donc c'est pas une catégorie à proprement parler. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent dire mais pourquoi ils veulent affronter Conor alors qu'il y a la ceinture? C'est vrai, et donc t'as raison, et donc c'est toujours bien de remettre un petit peu les choses. Et donc là c'est pour ça, c'est simplement que. Quand tu fais un combat contre Conor, tu es donc le main event, donc le combat principal de la soirée. Comme c'est Conor qui fait les plus gros chiffres de tous les temps à l'UFC, quoi qu'il arrive, et lorsque vous êtes dans un combat contre Conor, vous êtes sûr que vous aurez une partie normalement des pay-per-view, et comme les pay-per-view, ça chiffre minimum à 1,5 million à chaque fois, bah vous êtes sûr de devenir millionnaire, en plus de la paye fixe. Donc tous les fighters, tous les combattants qui font ça, ils l'avouent tous, hein, à part de rares exceptions, pour le palmarès et pour le laisser leur trace dans l'histoire du sport, mais aussi pour pouvoir mettre leur famille à l'abri et eux-mêmes et gagner bien leur vie, et puis voilà, c'est pour se mettre bien, quoi, tout simplement. Et donc c'est pour ça que pour Chandler, c'est exactement ce qu'il veut, c'est génial pour lui, c'est ce que veulent tous les combattants, de Masvidal qui est encore, à Rafael dos Anjos, tous ceux qui peuvent espérer avoir un combat contre Conor. Bah Conor lui-même appelait ça le Red Panties Night, donc en gros c'est la meilleure nuit de ta vie quand tu sais que tu m'affrontes. Donc voilà, si c'est ça, je suis très content pour Chandler. C'est bien même du point de vue sportif parce qu'on n'a pas revu Conor depuis longtemps. Chandler, il a plus de victoires que plus de défaites que de victoires à l'UFC, mais il est quand même un nom. Donc théoriquement, il est prenable peut-être pour Conor parce qu'en plus il a un style qui est. Alors il utilise sa lutte, on l'a vu contre Poirier, et ça pourrait faire quelque chose de super gênant contre Conor. Mais si Chandler, et on l'a vu contre Gaethje, décide de faire un combat de l'année et il veut mettre KO Conor, ça ressemblerait, il n'y aurait pas de problème. Chandler, maintenant on le sait, il serait tout à fait capable,
2. Comme il l'a fait, et son coach l'avait même repris entre les rounds contre Gaethje en mode « Mais concentre-toi sur gagner !» Le coach disait « Mais c'est pas grave, si c'est pas le combat le plus spectaculaire, mais s'il te plaît, Michael, gagne en fait, fais ce qu'il faut pour gagner ce combat !» Et dans la mentalité de Chandler, c'est en mode « On veut d'abord, c'est en mode gladiateur, régaler le public, et ensuite, bon bah, on gagne ou on perd, mais voilà, c'est vraiment mentalité à la Pride, à la japonaise. » Et donc, il y aurait même moyen que Chandler soit en mode on va rester debout, on va se la mettre avec les poings jusqu'à ce que KO s'en suive, et puis que ça ferait un combat légendaire contre Connor. Et là, bah, il aurait ses chances, Connor. Enfin, ça dépend dans quel état il revient, c'est toujours pareil, et soyez sûr que ça, on va le redire des milliers de fois avant le combat. Et surtout, dans quelle catégorie? Dans quelle catégorie? Parce que Connor est énorme en ce moment. À peu près tous les spécialistes disent qu'il fait de la rétention d'eau, et ou en tout cas qu'il est quand même assez gonflé, et que ça pourrait être signe d'utilisation de produits, comme on lit. Mais là, encore une fois, rien n'est prouvé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il est au minimum à 85 kilos. Mais minimum, il est énorme. Et du coup, est-ce qu'il serait capable de revenir ne serait-ce qu'en lightweight? En tout cas, pas utilisation de produits, mais c'est vrai que même Connor a avoué qu'il n'a pas dit ce qu'il utilisait, mais en tout cas, il a dit qu'il était obligatoire pour lui, au regard du degré de gravité de sa blessure, qu'il sorte des contrôles antidopage USADA. Donc il n'a pas dit qu'il faisait du contrôle, mais il a dit « j'étais obligé ». Vous ne savez pas, il parlait notamment d'Anthony Smith et de l'exemple de Chris Weidman, qui lui était resté pour les contrôles USADA, mais il a eu donc Chris Weidman un comeback, enfin comeback, quand je dis un comeback, à l'entraînement. Il est, selon Conor McGregor, revenu trop tôt, et apparemment ça a empiré pour Chris Weidman, qui a dû se faire à nouveau opérer, et là le retour est plus du tout d'actualité. Ouais, et donc ça, justement, Conor disait par rapport à la sortie d'Anthony Smith, toi t'as jamais connu ça, justement lors de ton dernier combat t'as eu cette blessure, mais depuis on n'a pas de nouvelles, et moi au regard de ce que j'ai subi, il y a que 3 mecs qui ont vécu ça à l'UFC, Chris Weidman, Anderson Silva et moi-même, on sait que c'est hyper grave et il fallait que j'ai ça. Et ça, c'est aussi assez intéressant, parce que ça a été la foire d'empoigne dans la comparaison des blessures entre les fighters. Parce que t'avais, on sait que Chris Weidman, lui, il a effectivement des complications de ouf sur sa jambe pétée. Il y a Anthony Smith qui était en mode, bah moi aussi j'ai le genou flingué ou c'est le pied et j'ai pas besoin de prendre de produits. Rafael Dos Anjos qui rappelait lui aussi que il avait eu un truc au genou qui était monstrueux et il avait pas eu besoin de sortir du pool USADA. Donc en fait, là, parmi les fighters, il y a une espèce de guerre civile à la Marvel, Civil War, entre les combattants qui sont en mode, mais non, t'as pas besoin de sortir de l'USADA pour remettre une blessure, moi je l'ai pas fait, lui il l'a pas fait. Et t'as ceux, donc comme Connor et à demi-mot, et comme Anderson Silva, qui sont... Anderson Silva, je sais plus s'il était sorti du pool USADA, mais en tout cas il a fait... été popé, voilà, il s'était fait contrôler positif. Il y avait même pas l'USADA à l'époque, parce que c'était en janvier 2015 quand il revenait contre Nick Diaz. Et donc, en fait... Et c'est très compliqué, parce que là, nous, est-ce qu'on pourrait trancher sur... Non, c'est impossible, parce que chaque blessure doit être ultra spécifique en termes de ce qu'elle implique, en termes du degré de gravité, de ce qu'elle a touché. Même lorsqu'on dit, genre les ligaments, ou même lorsqu'on dit un tibia pété, il doit y avoir 40 milliards de configurations différentes qui doivent se faire traiter de façon différente, parce qu'elles sont plus ou moins graves. Et les complications peuvent être plus ou moins problématiques selon ce que tu fais, que ce que tu prends ou pas. Et pour le coup, ça, c'est un truc qu'on peut pas... Connor, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, il y a le trash talk, il y a la personnalité clivante, etc. C'est quelqu'un qui prend un peu la manière de LeBron James, sa carrière, en tout cas en termes de physique, extrêmement au sérieux. Et lui, je pense qu'à la manière de Georges Saint-Pierre, il fera pas forcément le délire de revenir trop tôt, il fera pas n'importe quoi avec son corps. Ah oui, et ça, je pense non. qu'il ça voit un contre. Les meilleurs spécialistes du monde, et il a pas envie de faire les erreurs bêtes qui font qu'il revient à moitié. Toi, ça oui, je suis d'accord. Ah, moi, c'est juste au niveau hygiène de vie au global. Ah oui, non, hygiène de vie. Georges Saint-Pierre et LeBron James, eux, on peut les comparer parce que ils ont vraiment un suivi constant dans l'année. Connor, il a vraiment ce côté, et ça j'ai jamais compris, mais c'est un autre sujet pour un autre podcast, c'est qu'il garde cette approche un peu old school de j'ai mes 5 semaines de camp d'entraînement et là je suis en mission, et clairement, enfin tout le monde le dit, c'est quand Connor est en camp d'entraînement, il n'y a personne qui a la même hygiène de vie que lui. Mais d'un autre côté aujourd'hui, en 2022, si vous voulez performer, faut être comme Khabib, faut être comme Islam Makhachev, vous n'avez que le sport dans votre vie, et camp d'entraînement ou pas camp d'entraînement, vous entraînez tous les jours, vous ne faites pas d'excès. Le problème, c'est que Connor, c'est vraiment lui. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que pour le coup, là, j'hypothétisais qu'il prenait les meilleurs spécialistes, etc. Mais ce que je crois, enfin, d'après ce que j'ai compris, vraiment, il fait quand même très attention à la manière dont il revient des blessures, comment il prend soin de son corps, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper paradoxal, parce qu'à côté de ça, il fait la fête tout le temps à Ibiza, il boit, il fume,
Et clairement, voilà, hors camp d'entraînement, c'est vrai que c'est un peu la fête du slip. Mais c'est pour ça que moi, ça me choquerait pas, parce que voilà, c'est les stéroïdes ou les produits comme ça, c'est fait justement pour faire récupérer ce genre de blessure au mieux ou en tout cas plus vite. Donc, bah, j'ai pas envie de dire il aurait raison, parce que c'est un peu. Je peux pas dire ce genre de choses, sachant que donc il sort du pool de l'USADA, non, il prend voilà. des substances. S'il est sorti du pool de l'USADA, c'est pour une raison. Voilà, ouais, mais c'est pour ça, c'est pour ça. Mais de là à le juger, je trouve que c'est un peu bancal, tu vois. Donc, tu vois. Donc, voilà. Voilà. Tu vois. Mais en tout cas, contre Michael Chandler, on est chaud. Moi aussi, je trouve que c'est un très bon combat. En plus, ça nous permettrait d'avoir le premier round le plus fou de l'histoire du MMA. Parce que les deux n'ont jamais déçu. En tout cas, Chandler à l'UFC, il n'a jamais déçu. Connor non plus. Parce qu'aujourd'hui, voilà, y a toujours ces problèmes. On sait que les deux, le premier round, ils sont toujours au rendez-vous. Reste à savoir la catégorie. Personnellement, moi, je préférerais en lightweight parce que Chandler reste l'un des meilleurs lightweight de la planète. Connor a toujours des ambitions de titre. Et j'aime pas ce délire de. Connor est en welter et affronte des gars qui sont à l'étoile, c'est juste flemme de faire le cutting, mais le cutting ça fait partie du sport. À un moment donné, t'es déjà monté une fois de catégorie, on peut pas te laisser tous les passe-droits, et surtout si c'est pour dire ensuite, j'ai envie d'avoir un title shot. Non, tu fais l'effort d'avoir le cutting, il fait pas un gros cutting Connor McGregor. Ouais. Et puis même là, ça pourrait être pour moi un bon truc, parce que une de mes théories, c'est, je pense que Connor McGregor s'est rendu compte que face au Dustin Poirier, face au Khabib Nurmagomedov, c'est les deux seuls mecs contre qui il a perdu en lightweight, deux des plus grands de tous les temps, bah c'est des gars qui font plus de 80 kilos quand ils sont dans la cage. Et donc forcément, Connor, qui a jamais été le plus impressionnant physiquement, peut-être qu'il s'est dit aussi, je profite de cette blessure-là pour me forger une vraie carapace, et quand j'arrive, comme quand il était en featherweight et qu'il disait justement, les mecs, ils sont tout petits, franchement, ils peuvent rien encaisser, il avait un avantage énorme. Et peut-être que là, il se dit, je profite de cette blessure pour... arriver avec ce même avantage. En tout cas, avec Chandler, il y aura exactement le même côté physique. Ouais. Et puis, bah, pour rebondir sur ce que tu dis, quand on dit il faut qu'il fasse le cutting, ça fait partie du sport, on sait que les mecs se butent au cutting, mais c'est plutôt dans le sens, c'est pas qu'on veut qu'ils fassent du cutting, qu'ils se butent, c'est vraiment dans le sens, ce serait dégueulasse que Connor, qui veut compétitionner pour la ceinture lightweight, lui n'ait pas à faire les cuttings. On préférait tous qu'ils soient à leur peau naturelle, mais là, s'il y a 5 mecs dans la course au titre et que Connor, il est à côté, il est dans la ligne, dans la piscine à côté, et lui, bah, c'est est trois fois plus large, c'est un peu dégueulasse quoi. Donc c'est vraiment dans le sens, s'il veut compétitionner pour le titre, bah, qu'il fasse, qu'il prenne toutes les étapes comme les autres en fait. Bah, surtout quand vous voyez des mecs comme Alex Pereira ou même Paulo Costa dans d'autres catégories de poids, pour eux c'est vraiment compliqué. Donc si on disait à chaque fois Alex Pereira, non t'inquiète, tu peux faire ça, mais t'es en light heavyweight, il n'y aurait pas de problème. Ouais. On a fait le tour, Big Rusty. I think so. Et bah voilà, donc Conor McGregor contre Michael Chandler, c'est ciblé par l'UFC. Maintenant, moi j'espère une date, ou en tout cas un semblant d'officialisation de la part de l'UFC. Bref, allez, ça nous avait suivi My Sweet Protein, moins 38%. Surtout MyProtein, oula, on entend du pour ça, surtout MyProtein avec le code la sueur, et puis c'est nos savons Onae, c'est disponible sur onae.fr, parfait cadeau de Noël, et puis j'avais oublié le cadeau de Noël ultime aussi, notre livre, le grand livre du MMA, dispo partout, Fnac, Amazon, et votre libraire local. See ya, Bigrusty. See ya, Bigrusty. See ya. I'm fucking coming for you!